Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Petite introduction avant de débuter la vidéo. Désolé pour la qualité du micro, ça va s'arranger après avec la vidéo. C'était juste pour te prévenir que, eh bien, tout simplement, l'épisode 20 n'aurait pas dû être celui-ci. En fait, j'avais fait 3 matchs, mais Camtasia a bugué. J'ai fait, voilà, j'ai beaucoup travaillé le montage et tout. Je voulais qu'il soit vraiment très très propre et malheureusement, je n'ai pas pu faire. Voilà, je n'ai pas pu enregistrer. Voilà, le montage devenait trop lourd, et du coup, j'ai pas pu faire le rendu. Chaque fois, ça plantait. Donc voilà, pour te faire un petit récap, on a gagné 3-2 contre Atalanta. C'était la fin du mercato. On a pu recruter, attention, suspense, Mesut Özil. Mesut Özil, oui, pour 80 millions d'euros. C'était vraiment, vraiment la grosse recrue, la grosse arrivée. Du coup, on n'a pas pu acheter de défenseur central. Du coup, on a affronté Sassuolo, on a fait 0-0, et enfin, on a perdu 2-0 contre Leverkusen. Vraiment, voilà, ça c'était un peu la déception. Donc, voilà, désolé pour la petite gêne occasionnée. J'espère que voilà, ça ne te dérangera pas. Désolé pour la qualité du micro pour cette introduction. C'est un peu la dèche. Donc, voilà, bonne vidéo à toi, et ça fait que cette fois-ci, une meilleure qualité de micro. Merci à toi. Et bienvenue, bienvenue à toi mon frère, comme d'habitude. Alors je me répète à chaque épisode, mais je suis très heureux de t'accueillir. Nouvel épisode en vue pour ben voilà, cette carrière avec l'AC Milan. Malheureusement en fait l'épisode là que je suis en train de tourner, je le fais dans la foulée de l'autre, donc je n'ai pas le temps de voir vos retours, etc. Donc voilà, je ne sais pas si le mercato vous a plu, s'il ne vous a pas plu. Bon voilà, je le saurai plus tard. Donc écoutez, ben, c'est le moment de consulter un petit peu le calendrier, voir ce qui nous attend un petit peu. Donc, on a un premier match contre Cesena, donc ça on l'avait vu dans le précédent épisode. Club de deuxième division qui vient de monter en Calcioa. Napoli, puis Séville. Donc, les deux prochains matchs seront très très compliqués, j'imagine. Je ne dis pas que le premier ne le sera pas, et peut-être qu'il le sera. Mais bon, voilà. Donc, pour l'équipe qui va affronter Cesena, évidemment, ça va être une équipe voilà, plutôt moins forte, pour faire un petit peu reposer les cadres en vue du prochain match contre Naples. Il faut que l'équipe voilà, 1 soit eh bien, au taquet. Donc pour l'équipe, je me souviens que Carlos Bacca n'avait pas fait un bon match. Hein, clairement, j'avais laissé sa chance dans le précédent match, mais il n'avait pas montré voilà, un bon niveau de jeu. Par contre, j'aimerais bien mettre voilà, Marco Storari, qui est voilà, en fin de vie. Bon, c'est pas très gentil. En fin de carrière, on va dire. Il a plus de 40 ans, notre gardien. Bon voilà, on va un peu tester. J'aimerais bien également mettre José Sosa qui n'a pas eu sa chance pour l'instant. On va mettre à la place de voilà, de Van den Bosch. Et on va le mettre là à la place de Kuka. À la place de Kuka, voilà. Donc Sosa et Locatelli qui seront les milieux défensifs centraux. Et sinon je pense qu'il n'y a pas trop de changements à faire. Si si peut-être, peut-être, puisque j'ai pas réussi à le vendre. Non, j'avais réussi à le vendre ou pas? Parce qu'il est pas à l'état. Je sais même plus si je l'ai vendu ou pas. Enfin voilà, quoi, les gars, c'est dire. Ah, et voilà. J'avais pas réussi à le vendre. Bien ce que je me disais. Donc, à la place de Romagnoli et à la place là de Gustavo Gomez. Je suis pas à l'état. Lui non plus n'a pas vraiment eu sa chance jusqu'à présent. Donc, on va un petit peu. Voilà. Et je pense que maintenant, ben, voilà, on peut débuter cette rencontre. C'est parti. Allez, Musonda. Le sang de Musonda, deuxième poteau, la tête de Locatelli. Eh oui, la belle tête de Locatelli. Mais Agassi qui s'empare très facilement du ballon. Il en faut plus pour impressionner. Eh bien, ce gardien. J'ai l'impression qu'on a un blessé. Ça va pas me faire plaisir, ça. On a un blessé. Oh là 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 là. Belotti. Les gars, c'est Belotti qui est blessé. C'est Belotti qui est blessé. J'ai le choix entre Zlatan et Bacca. Je vais préférer voilà, Zlatan, Musonda, la frappe de Musonda, Yagazi, qui fait un bel arrêt, mais vraiment je fais des très mauvais choix. Par exemple, il y avait une passe tout à l'heure en retrait magnifique, il était idéalement placé, je sais pas qui c'était, mais je l'ai fait trop tard. Et du coup, la défense a réussi à s'emparer du ballon. Allez, les gars, va falloir le rentrer. Non, malheureusement, ça ne va pas rentrer. Allez, derrière, va rejouer derrière, tranquillement, les gars, les petits bio. Netiglio, Netiglio, toujours, Locatelli, Locatelli, allez, ils sont de sa chance, Locatelli! Oh non, c'est pas possible, la barre transversale, ou plutôt l'équerre! Allez, Zlatan, Kaka, allez, allez, sur le côté, Abatté, la frappe d'Abatté, c'est pas terminé! J'ai du mal à y croire.
J'ai vraiment du mal à y croire, les gars. C'est impressionnant. C'est impressionnant le manque de réussite, hein, vraiment. On a, et derrière, voilà, il va s'emparer du ballon. Piafos. Bon. Allez, oui. Locatelli, allez. Le sang de Locatelli vers Zlatan. Ouais, c'est la fin du match. La fin du match. 0-0. Que dire? Que dire si ce n'est que... On a manqué encore une fois beaucoup, voilà, de chance. On a outrageusement dominé. Mais bon, que voulez-vous y faire? Voilà, c'est tout. Voilà, on peut rien y faire, malheureusement. Voilà, c'est le football. C'est le football. On fait 0-0. Ça va être compliqué. Je vais pas vous le cacher, les gars, ça va être compliqué parce qu'en championnat, c'est mal. Et en Champions League aussi, puisqu'on a perdu contre Leverkusen. Et après, on a un match contre Napoli. Les Napolitains qui vont affronter eh bien, les Milanais. Quand je parle de Napolitains, je ne parle pas de ces magnifiques gâteaux. Alors, putain. Belotti, c'est pour 8 semaines, malheureusement. Bon, toi, ferme ta gueule, s'il te plaît. D'accord. On a perdu Belotti. Toi, tout ce que tu as à dire, c'est je suis déçu par mon manque de jeu. Des fois, j'ai envie de frapper les joueurs, mais je me retiens, vous savez. Non, mais c'est pas que je rage. Non, je rage pas. Mais non, pas du tout. Je vois pas de quoi vous parlez. Pas du tout, mais non. Bon, c'est pas grave. Bien sûr, mais bien sûr, l'Australie. Et bien sûr. Les gars, si j'ai refusé l'Allemagne, si j'ai refusé le Brésil, c'est pas pour accepter l'Australie, d'accord? C'est pas que j'aime pas les kangourous ou quoi que ce soit, mais c'est voilà quoi. Bon, c'est cliché un peu ce que je dis, mais. Les gars, c'est parce que voilà, ce match nul, vraiment, on ne mérite pas. On ne mérite pas du tout. Mais bon, voilà, faut rester zen. C'est pas du tout le cas, mais il faut rester zen. Et voilà, se préparer pour le prochain match, parce que voilà, c'est pas n'importe quelle équipe, c'est quand même Naples. Et mon petit Jurachuka, tu vas jouer, voilà, hein, tu étais déçu par ton manque de temps de jeu, tu vas jouer contre Naples, tu vas pas jouer par contre contre... Enfin, ça va dépendre de ta prestation, si tu as bien joué, tu joueras contre Séville, si tu as mal joué, je mettrai Marcos Llorente pour le prochain match, hein, puisque ben, il connaît un peu voilà les clubs de Liga, à mon avis, puisqu'il vient là-bas. Je pense qu'il pourra un petit peu nous faire part de son expérience. C'est parti pour le début de cette rencontre. Bien joué Barossi. Bien joué. Bon, je dis pas qu'il est blessé parce que là on a une grosse occasion. Va te faire. Putain les gars, je suis désolé mais. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qui se passe avec les blessures? Chaque fois tu as des blessures. Vas-y, vas-y, vas-y. Rends le ballon. Voilà. Vite. Vite. Allez, récupère-le. Oh putain, ça m'a fait peur. Est-ce que je fais des changements? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je pense que je devrais mettre, ouais, plutôt. Je sens dans la place d'Insigne qui fait pas un très bon match, malheureusement. Et c'est tout. Je pense que c'est tout. Ouais, on va partir avec ça. Et on va voir ce que ça nous donne, tout simplement. C'est parti. Allez, 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 charge-le. Charge-le. Voilà, bien joué, Zlatan, bien joué. Là, c'est bien. Allez, allez, Lucinda. Non, mais... Je m'en vais. Les gars, je m'en vais, j'en peux plus. J'ai du mal à y croire. Non, je vais mettre pause parce que je manque cruellement de chance. Vous êtes d'accord avec moi? Non mais je sais pas dans mes habitudes. De rager et tout, mais là on manque clairement de chance. Sur les deux derniers matchs, c'est quoi toutes ces occasions ratées? Lucinda, c'est ce qu'on va faire. Faire un truc très très simple. Tu viens de rentrer. Et bien, tu vas aussitôt partir. J'en ai rien à foutre. Absolument rien à foutre. Allez hop. Non mais voilà, voilà, c'est tout, voilà. Non mais tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est ta punition, voilà. Tu es resté 3 minutes sur les terrains. On va lui. Alors c'est va. Allez, allez, sur le côté, oui, eh ben non. À la foutre. Les gars, faut pas rater cette occasion. Allez, Bernardo Silva, allez, 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 allez. Oh, il faute, faute. Oui, oui, il y a faute. Alors, celle-là, il faut la mettre. Les gars, celle-là, il faut la mettre. Celle-là, il va falloir la mettre, les gars. J'ai peur. Je ne sais pas quoi faire. Où est-ce que je tire? À droite, à gauche, à droite, à gauche. Dites-moi dans les commentaires. Je tire à droite ou je tire à gauche ou je tire au centre? Dites-moi vite. Mais, du coup, ouais, ça va rien changer parce que je peux pas les voir. Hein. Déjà c'est pas Fabi qui va tirer, c'est Monsieur Zlatan. Je vais la tirer là. Oui.
Oui, Zlatan. Oui, putain. Eh ben. Merci Bernardo Silva, merci, hein, parce que voilà, il s'est battu, voilà. Et il était à fond, voilà, et grâce à ça, on a pu obtenir un penalty, en plus c'était pas très bien tiré, mais bon, Pepe Reina a voulu rester dans ses cales. Écoute, hein, c'est chacun son délire, hein, voilà. Voilà, ça fait plaisir les gars, je respire un petit peu, parce que là, vraiment, il a beaucoup de pression. Et je pense que là, les 3 points sont pour nous, mais je vais être un peu voilà, défensif. Parce qu'il reste quand même un peu de temps additionnel et je pense que Naples a encore moyen d'avoir une action, je pense. Et voilà, c'est terminé. Les gars, c'est terminé pour ce match. Victoire en but à 0 à la dernière seconde grâce à Bernardo Silva et à Zlatan Ibrahimovic, bien entendu. Et voilà, ils sont battus. Voilà, je pense que c'est les hommes du match. Et voilà, c'est grâce à eux qu'on a gagné. Petite pensée à mon collègue qui joue Black Arrow M. Si vous étiez là au tout début de la chaîne, vous sauriez qu'il y avait une carrière sévie. Qui avait fait le buzz, hein, vraiment le buzz. Et un buzz, voilà. Et du coup, tellement on a fait le buzz, on a dû la supprimer. Parce que voilà, il y avait trop de commentaires et tout, trop de vues, c'était tout fou. Donc c'est parti pour les meilleurs moments de cette rencontre. Vas-y, toi dégage. Voilà. Attention, Insigné. Allez. Ah, le sang d'Insigné, la tête de Fabinho, et c'est dedans. C'est dedans, bien 0 pour le Milan AC. Ça fait plaisir, le centre était pas forcément très académique. J'ai l'impression qu'il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux, je sais même pas comment on dit, bref. Derrière, ça fait 1-0. Un but pour notre cher Brésilien Fabinho. Je ne sais pas si c'est son premier but ou si c'est son deuxième. Je crois que c'est son deuxième, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, ça fait 1-0. C'est le principal. Fabinho. Père aussi, va. Allez. Oui, bien joué. Au crochet, le sang de Lanzi va la tête de Zlatan. Oh, elle est belle, elle est magnifique cette tête. Elle est magnifique. Barre entrante, barre entrante. Je ne sais pas ce que ça fait, mais en tout cas, elle est magnifique. C'est tout ce qu'on demande. Le centre est également très, très, très beau. Très, très, très beau. Il n'y a rien à dire. Rien à dire, on va revoir l'occasion. Voilà, Zlatan qui s'est. Voilà. Et oui, ça fait barre entrante. C'est assez rare pour le souligner. Ça fait 2-0. Attention, le gardien est monté, la tête. Allez, vite, sort, de l'ombre, allez, joue loin, allez. Non, le gardien était sorti, c'est dommage, il arrête le jeu. Dommage, il y avait le gardien qui était en train de courir comme Usain Bolt. Bon, ça fait 2-0, c'est le principal, les gars. C'est le principal, voilà, on a enfin gagné un match de Champions League. Le premier, je vous rappelle, c'est une défaite 2-0 contre Leverkusen. On a clairement dominé le match. Ils ont eu quelques occasions en fin de deuxième période. Hein, ils ont surtout depuis qu'on a marqué le deuxième but. Mais globalement, on a dominé. Et les Leverkusen qui a perdu 1-0 contre Chelsea, les Londoniens. Donc, ça va être compliqué. On est troisième avec le goal et virage. Donc, voilà. Ok, voilà. Merci mon frère d'avoir laissé cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour la suite avec l'AC Milan. On va juste regarder le calendrier pour que tu saches un petit peu à quoi nous aurons affaire. Donc, Lazio Vérone, Sampdoria, donc deux matchs plutôt à voilà, notre hauteur. Et puis Chelsea, là, c'est un peu plus compliqué, surtout qu'après, on va enchaîner contre la Juve. Hein. Donc, vraiment, ce seront deux matchs très, très, très compliqués. Voilà, à très bientôt, je l'espère, mon frère. Et voilà, c'est tout. Merci.